ferry. Face au vent, Akosh se mit à marcher. Des kilomètres, il traversa les champs de betteraves, de pommes de terre, de colza. Il s'embourba dans la terre grasse, se faufila entre les câbles où grimpait le houblon jusqu'à Dourges, où se dressa enfin devant lui, majestueux, le terri de Sainte-Henriette. Un gigantesque monticule de schiste et de houille, tous les résidus de la mine. Alors Akosh s'arrêta un moment, scruta le dôme sombre et luisant, puis, sans sourciller, escalada la montagne noire. Quand il fut au sommet, le jeune garçon ouvrit les bras, sauta et respira l'air frais. Le vent s'engouffra dans ses narines dilatées. Il reconnut la ville de Lens à l'ouest, Noyelles-Godault au sud, Rovarendin à l'est, Carvin au nord. Il observa la brique rouge des maisons un peu partout. Et puis Akosh s'allongea sur le terri. Les nuages prenaient toutes sortes de formes. Poussés par le vent, ils s'allongeaient, se déchiraient, devenaient des monstres ou Madame Gesquière. Le jeune garçon pointa son doigt vers le ciel et traça des lignes imaginaires. Quand soudain, un bruissement d'ailes le tira de sa rêverie. Sous le ciel bas, surgit de nulle part, un gros corbeau noir au bec fort et au cou massif vint tranquillement se poser près de lui. Akosh se releva vivement et regarda l'oiseau un peu impressionné par l'envergure de ses ailes qu'il gardait déployées. Le volatile sautillait en croassant. Il semblait défier Akosh qui n'emmenait pas large. Oh, 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 oh. Tu es l'enfant de la montagne noire. Quoi ? Tu es l'enfant de la montagne noire. Tu es malade, mais tu vas guérir. Le corbeau avait parlé. Akosh écarquilla les yeux abasourdis. Tu parles ? Le volatile croassa à nouveau et bourriffa ses plumes, battit des ailes, s'envola et disparut derrière le terri. Akosh resta quelques minutes interdit au sommet du monticule. « Je suis l'enfant de la montagne noire, je suis malade, je vais guérir. » Secoué de panique, le jeune garçon prit tout d'un coup ses jambes à son cou, dévala la pente et courut à toute berzague jusque chez lui.